שלום, מה נשמע? מה שלומכם? מה חדש? היום אנחנו נראה את המילה כאילו. On va voir le mot ou l'expression כאילו. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner à notre chaîne et je vous rappelle que nous sommes Ulpan Milan, nous avons des cours particuliers, des cours collectifs, en groupe, en mini-groupe, en présentiel et en visio. Ok? Alors c'est parti! Alors, le mot keilu, 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 vous avez entendu beaucoup, ça c'est sûr. Alors, avant qu'on voit le mot keilu, qu'on utilise plutôt comme un mot de passage, comme je l'appelle, d'abord on va voir la première signification, hein, ok? Alors, keilu, ça veut dire comme si. Et si on regarde vraiment bien, keilu, c'est un mot en hébreu, mais il est composé, dans quelque manière. Parce que « ilu », ça veut dire « si », et « que », c'est comme « kmo », et ça veut dire « comme ». Alors, en fait, « que ilu », ça veut dire « comme si ». Ok? Ça, c'est la traduction, et on va voir quelques exemples, ok? « Hu medaber ivrit »« Que ilu »« Hu nolad beisrael » Je répète. « Hu medaber ivrit » Keilu hu nolad beIsrael. Maintenant, on va voir un exemple intéressant qu'on trouve dans les Haggadah de Pesach. Chayav Adam lirot et atzmo keilu hu yatsa mimitzrayim. Alors, chayav Adam lirot et atzmo keilu hu yatsa mimitzrayim. יפה מאוד. עכשיו אתם מכירים את המילה כאילו, כאילו, comme si, אוקיי? Mais on utilise beaucoup כאילו aussi comme un mot de passage. Ça veut dire, ça va rien dire, אוקיי? Mais quand même, on l'utilise. En français aussi, j'entends parfois les mots genre, genre, je voulais faire ça, genre, ou en anglais, on entend souvent it's like, אוקיי? Et en hébreu, on utilise beaucoup et le mot keilu. Je vais vous donner quelques exemples. Ani lo yodea keilu, ani tsarich lachshov al ze keilu. Voilà, qu'est-ce que je dis ici? Ça veut dire je peux bien dire ani lo yodea, ani tsarich lachshov al ze. D'accord? Mais j'utilise keilu pour remplir dans quelque manière les phrases. En Israël, on l'utilise beaucoup, et c'est plutôt pour vous, c'est pour la compréhension. D'abord, quand vous entendez ça, vous pouvez savoir, ah, c'est rien, en fait, c'est juste un mot de passage, ok? Il faut pas, c'est pas le keilu comme si, ok? Alors ça, c'est vraiment important. יפה מאוד, אז עכשיו אנחנו למדנו את keilu. דבר הראשון, כמו שאמרנו, keilu, זאת אומרת, comme si, ויש את המילה keilu, comme mot de passage. אז זהו, כאילו אני אגיד לכם כאילו להתראות היום כאילו, ואני מקווה כאילו שאנחנו נתראה כאילו בווידאו הבא. אז להתראות, ביי ביי.